Alors le niveau 3, ça correspond vraiment à une formation d'expert. Hein, jusqu'à maintenant, vous aviez une autonomie limitée, vous deviez être encadré pour aller en profondeur. Avec le niveau 3, vous allez jusqu'à la limite de la plongée à l'air du code du sport. C'est-à-dire ça peut aller jusqu'à 60 mètres, et ça sans avoir besoin d'un guide, sans avoir besoin d'un moniteur. Hein, donc c'est vraiment une formation très exigeante. On insiste beaucoup sur la planification de plongée, la sécurité, surtout en termes de prévention, et ensuite tout ce qui consiste à porter secours. Hein, donc la formation niveau 3 se déroule dans la zone des 40 mètres, voire plus, et est très axée sur la gestion du trajet, aussi bien en termes d'orientation dans l'espace que de gestion des paramètres, que sont la quantité d'air et aussi la gestion des paliers, puisqu'avec le niveau 3, vous abordez la plongée avec décompression. Donc une plongée assez technique qui demande une grande maîtrise, et c'est vraiment un niveau d'accomplissement complet pour ensuite se permettre éventuellement d'aller vers des niveaux supérieurs d'encadrement. Mais le niveau 3, c'est vraiment le passeport toute profondeur, une belle aventure. Vous pouvez le faire au-delà de votre choix sur aquadomia.com. C'est une formation qui demande du temps, donc qui peut démarrer à partir de 4 jours si vous avez un nombre conséquent de plongées, on va dire entre 60 et 100 plongées. Autrement, ça peut être un petit peu plus long. Et bien sûr, c'est un diplôme qui est assorti de secourisme spécifique plongée. Voilà, donc choisissez vos dates de votre choix sur aquadomia.com et à très bientôt pour votre formation niveau 3.